Coucou Cocument. Aujourd'hui, nous allons découvrir un cocktail bien de chez nous, le trimpique. Alors le trimpique, c'est une coutume ancienne qui se faisait lors d'une pause après quelques heures de travail quand il faisait bien chaud. Oui, en quelque sorte, c'était le goûter des travailleurs. Mais à l'occasion des moissons ou de la fenaison. Ou plutôt, la récompense après une dure journée de labeur. Bravo, pratique. Un sucre ou deux? Deux. Moi aussi. Toc et toc. Voilà. Allez, on verse un peu d'eau pour faire fondre le sucre. Comme ça. On fait fondre le sucre. Allez, monsieur Picard. Voilà un peu. Voilà. On remue bien. Chacun prend un morceau de pain. Merci. Voilà. Ah, toi, tu fais comme ça, moi, pas moi. Moi, je fais comme ça, moi. Eh bien, vas-y. Et moi, je fais d'une autre façon. Et moi, je préfère faire comme ça. Voilà. Et après, on mange le pain, comme ça, avec la cuillère. Alors, nos trois mousquetaires, le trimpique, ça donne quoi? Ça vous rappelle des souvenirs. Oui, tout à fait, c'est vrai, parce qu'on était en sueur et voilà, il faisait très chaud dehors. Quelque soir et puis hop, vous voyez. C'était réconfortant pour la fin de l'après-midi. Vers 4 heures, quoi. Voilà. Et après ça, on repartait au travail en pleine forme. C'était réconfortant. Tout simple, mais efficace. Et rafraîchissement. Ouais, visiblement, vous avez dû tremper plusieurs baguettes. À quoi bunde. Oh. Ça m'y passe demain, on va voir et tout. Ah. Maintenant, vous avez la recette. Du sucre, de l'eau, du vin et du pain. Et à vous de tremper.